Bonjour, très chers auditeurs et téléspectateurs de la 13e étoile. C'est avec joie que je viens vous parler aujourd'hui de la nouvelle CNI chinoise. En effet, après la mort de Didier Arafat, les Chinois tels que Arnaud Jaguar, avec l'initiative d'une entreprise Tino, ont lancé dernièrement sur les réseaux sociaux la possibilité de se faire une CNI chinoise. En effet, c'est en feuilletant les réseaux sociaux ce matin que je suis tombé dessus sur un post de Arnaud Jaguar qui disait s'être fait enrôler dans la République de la Chine. En effet, sur le module électronique, on peut lire République de la Chine, carte d'identité de la Chine du Yorubo. C'est dans un post qu'il a lâché, je me suis fait enrôler, j'ai obtenu ma CNI chinoise et toi, es-tu dans le futur? Intéressante innovation, on peut le dire. Et de plus que c'est gratuit et c'est accessible à tout le monde, il suffit juste d'avoir une petite connexion internet. Ça se fait exactement comme les CNI que vous connaissez. Vous pouvez mettre votre nom, votre date de naissance, votre numéro de téléphone. Et la particularité, c'est qu'il y a des plus. Pourquoi? Parce que vous pouvez mettre le surnom du Daishikan que vous avez préféré, le genre de chinois que vous êtes, chinois dur, chinois modéré ou chinois caché. Vous pouvez préciser votre pays, vous pouvez préciser votre mot préféré du Yorubo, vous pouvez préférer son surnom préféré. Voilà, c'est plein de particularités qui sont présentes dans le truc. Et il faut noter que c'est un truc de Tinov, je ne sais pas trop quelle entreprise c'est, mais bon, en tout cas, c'est une très très belle initiative. Déjà qu'on sait que Arnaud Jaguar, il y a de cela quelques jours, avait annoncé qu'il sortait de la Eurogang. Bon, on ne sait pas si faire partie, avoir une carte chinoise veut absolument dire faire partie de la Eurogang. Mais bon, pour tous ceux en mémoire du Didier Arafat qui ont aimé l'artiste, moi je vous inciterai à aller vous faire identifier. C'est pas payant, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien, juste quelques minutes. Vous ne perdez vraiment rien, vous mettez votre nom, votre prénom et voilà. Vous êtes chinois et moi je sais que c'est un truc qui va marcher, ça va aller loin. Alors, à vous maintenant, voulez-vous recevoir votre passeport ou votre CNI chinoise? Alors là, pour les vrais fans, on va vous reconnaître. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.